Et salut à tous, on se retrouve pour ce 47e épisode, je crois, de la survie Minecraft. Donc tout simplement, aujourd'hui on va s'attaquer à faire le quartier de ce côté-là, donc bien évidemment hyper laps en vue. Donc ensuite, on s'attaquera tout simplement à ce qui est à l'arrière, donc il y aura le château et le quartier qui aura sur les côtés en ville basse. Donc là, avant l'épisode, j'avais commencé à faire ça il y a quelques temps. Je dirais que ça fait un bon mois, parce que je crois qu'il y a à peu près un mois qu'il n'y a pas eu d'épisode de sortie. J'ai terraformé toute la rive qui est ici, toute la côte, histoire qu'il y ait plus de mer, parce que j'aimerais en gros qu'on puisse avoir une barque qui traverse. Donc il va falloir que je terraforme ici également un bon bout. Donc ça, je m'y attaquerai plus tard. Parce que là, clairement, c'est faire le quartier qui m'intéresse. Comme ça, je pourrais y faire les chemins, rajouter un peu des arbres, de la végétation et tout autour, comme j'ai pu faire ici dans le reste de la ville. Donc voilà un peu ce qui nous attend. Et quand l'hyperlapse sera fait au niveau de la construction, on s'occupera d'aller faire l'usine à cacao tout simplement au niveau du biome flower. Donc voilà, on a déjà un bon petit programme de prévu, donc j'espère que ça vous fera plaisir les amis. Voilà tout quoi, j'ai envie de vous dire, ça fait un petit mois qu'il n'y a pas eu d'épisode, je dirais, à vue de nez, donc ça me fait plaisir de faire un petit topé sur cette série. Donc je vous fais une ellipse et vous aurez l'hyperlapse, c'est parti. On se retrouve après l'hyperlapse. Donc ce qui est dommage, c'est que la première maison, vous l'avez pas vu dans l'hyperlapse, parce que tout simplement, j'ai commencé à construire et mon PC a redémarré. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il a redémarré. Donc du coup, j'ai dit,
Hop, c'est fichu pour la première maison, donc c'est pas grave, j'ai quand même continué l'hyperlapse avec les autres maisons. Donc j'ai essayé de varier les angles de vue et tout, j'essaie de mettre en pratique un peu les conseils que Meet peut me donner, histoire de pouvoir vous améliorer vraiment les hyperlapses, histoire d'avoir un travail plus abouti, on va dire. Donc voilà, le quartier est fini, il y a quand même pas mal de maisons de fête. Maintenant, c'est ici qu'il va falloir que j'arrive à combler, donc je sais pas, je vais réfléchir d'ici le prochain EP à ce que je pourrais mettre ici. Peut-être un grand arbre custom, mais vraiment un arbre custom, pas comme ceci que j'améliore les arbres vanilla avec quelques bûches. Vraiment faire un gros nanarbre, comme on peut dire. Donc il faut que je vois, mais c'est possible. Mais en tout cas, voilà, le quartier est fait, je me suis acclimaté, non, c'est pas vraiment acclimaté, adapté plutôt, voilà, au terrain. Donc voilà, j'ai dû rajouter de la stone brick ici et tout, mais globalement, voilà, c'est le même pattern que ce qu'on a eu pour le petit manoir et le premier bout de quartier de l'autre côté. Donc faut se dire que voilà, on va pas tarder à aller s'attaquer de l'autre côté et ouais, ça va être du taf. Ce qui va nous attendre maintenant, c'est tout simplement, je vais aller ranger un peu mes shulkers histoire de faire le ménage et je vais prendre sur moi tout ce qu'il faut pour pouvoir faire l'usine à cacao tout simplement et bah, je vous retrouve au biome Flower. Donc c'est parti, on est au biome Flower, donc j'étais informée légèrement ici au niveau de la petite montagne. Donc là-bas il y a l'usine à poulpe et là-bas, comme je vous ai dit, on fera un bâtiment central pour les colorants, mais voilà, on est plutôt bien. Donc c'est parti, donc tout simplement. Il va nous falloir des pistons classico-classiques, j'ai envie de vous dire. Donc je vais faire un truc sur 3 de haut. Tac, comme ça. Là, ici, il va me falloir des blocs. Voilà. Ensuite, on va avoir tout simplement un courant de redstone qui va passer derrière. Hop. Donc je préfère mettre direct la redstone sur de la stone brick. Au moins, je suis sûre et je suis pas embêtée. Alors, ici, tac, tac, 3, 4, 5, ouais, on va faire 5, ça sera largement suffisant, je vais pas avoir non plus besoin de 40 millions, c'est un chiffre totalement aléatoire et totalement idiot, hein, bien évidemment. Voilà, 5 de haut, comme ça, et au pire des cas, si vraiment je veux un truc plus grand, je pourrais rajouter sur les côtés et tout, enfin, m'arranger quand je ferai le bâtiment pour avoir un truc plus efficace, va-t-on dire. Donc voilà, hop, la stone brick comme ça. Hop, et si je dis pas de bêtises, ça devrait le faire. J'ai fait un test en créa avant parce que, bah, comme d'hab, hein, moi et la redstone, ça fait deux parfois, donc, tac. Donc, hop, on met de la redstone ici, tac, ici également. Et là, on va mettre deux repeaters sur quatre tics. Hop, et on va faire la même chose là-bas. On va rejoindre, tac, tac. Et ici, on va mettre des repeaters, là, de la redstone. Et hop, non, bah non, dans le même sens, mais qu'est-ce que je fais? Quelle andouille! Alors, et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement impulser un courant là-dedans. Il va falloir insuffler tout simplement du courant au niveau d'ici. Donc, on va mettre le fil de redstone, ici le bouton. Là, les cacao, elles sont là. Ça tombe. Ah, il y a un problème. Alors, oui, mes repeaters sont pas dans le bon sens. Ha! Hello fail, comme d'habitude les amis. Ah punaise, je vous jure. Ah mais moi franchement, c'est horrible les gens. C'est horrible comment je suis. Je me fail mais tout le temps quoi. Mais je sais pas. Enfin c'est inné, j'en sais rien. Enfin mais vraiment là c'est toute catégorie quoi. Bon et je refais des bêtises bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Et voilà, ça serait donc c'est bien ça que je voulais. Donc comme ça, hop, dès que mes fèves sont toutes poussées, hop, j'active mon bouton. Et je pourrais également faire ça sur ce côté-là et sur ce côté-là. Et tout en pensant ici, bah, quand je designerai, à décorer pour qu'on voit juste ça, quoi. Donc voilà, pour cette usine à cacao, tout simplement. Donc vous voyez, rien de très compliqué. Mais voilà, c'est une petite usine des familles. Et elle va m'être bien utile parce que le colorant marron, j'en aurais sûrement besoin. Pour la suite au niveau du biome océan. Donc voilà. Donc là je vais faire une petite ellipse et on va s'occuper de faire l'achievement de reproduire les 14 animaux de Minecraft. Donc je vous retrouve dès que j'ai les vaches champimeux devant les yeux. On se retrouve ici du coup. Alors c'est parti. Donc voilà au niveau de l'achievement. Normalement ouais ça doit être reproduire je crois. Ouais, ça, 2 par 2, donc j'en ai 12 sur 14, donc les vaches champignons, je les avais pas faites. Alors après, le problème, c'est entre les chats et les ocelots,
Lequel n'est pas pris en compte en gros? Parce que dans les autres animaux, je vois pas. J'ai reproduit les renards, j'ai reproduit les pandas quand on en avait trouvé. Donc du coup, j'avoue que je suis un petit peu coincée. Alors, est-ce que là, au niveau de l'achievement, ça a bougé? Yes, on est à 13 sur 14. Donc il faut que je trouve tout simplement la dernière espèce que je n'ai pas reproduite. Donc voilà, ça va être un petit peu la galère. Mais écoutez, c'est comme ça. Donc c'est parti. Alors, on se retrouve là où il y a l'usine à faire. Donc je sais qu'il y a pas mal de slots qui traînent. Donc là, il y en a un. Où est-ce qu'il y en a un deuxième? Parce qu'il m'en faut deux. C'est ok, lui, il va venir. Il va être content, quoi. Bah oui, tu veux un petit poisson. Bah oui. Mais est-ce qu'il y a un de tes poteaux qui est là? Faut qu'on trouve un poteau à ce petit ocelot, les amis, là. C'est parti, c'est parti. Et lui, il me suit, c'est cool. Ouais, il me suit. Nickel. Allez, suis-moi, copain. Copain comme cochon. Alors, où est-ce qu'il y a notre ocelot? Ocelot! Il y a quelqu'un? Ah, il m'a suivi, mais là, il avait arrêté. J'aime pas trop ça. Ça pue le roussi, cet achievement, je vous le dis. Ça pue. Toi, j'en avais d'autres des ocelots ici, j'en avais plein de base. Bon, en tout cas, lui, il me suit, c'est déjà ça. Ah, on a un golem qui vient de tomber. Ah, il y a longtemps que je ne suis pas restée AFK à cette usine à fer, je vous avoue. Parce que je dois avoir une dizaine de stacks de fer plus ceux qui sont dans la salle des coffres. Je pense que j'ai largement ce qu'il faut pour faire mes hoppers quand j'automatiserai la salle des coffres. Par contre, je vois pas d'autres ocelots. Je suis contente que lui me suive, mais si je trouve pas un de ses compères, on va être un peu dans la mouise. Non, mais là, il n'y en a aucun autre, sérieux? Normalement, il y en avait la blinde qui se promenait, il y avait même des bébés et tout. Non, seriously? Comme lui, il me suit, je suis contente. Non, mais sérieux? Il y a un bébé ocelot là-bas. Ah, il y en a un adulte là. Viens, copain. Il m'a pas capté. Viens. Viens, mon petit père. Viens. Ah, je fais ça, mais ça tombe, c'est en train de vous bousiller les oreilles. Alors, est-ce qu'ils vont faire des bébés? Comment ça va se passer là? Vous reproduisez pas? Qu'est-ce qui se passe là? C'est love ou pas love? Je peux pas leur donner d'autres poissons. Pourquoi ils font pas de bébés? Ils sont pas censés se reproduire? Non, sérieux? Non, mais allez les gars là, soyez sympas quoi. Il y a un land boy, non? J'en peux plus. Mais les amis, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils se reproduisent pas? Coucou, on se regarde dans le blanc des yeux. Vous ne voulez pas vous faire des bécots? Ah, mon poisson, vous en voulez, hein? Il est bien fait, mon poisson, mais hein, vous reproduire que dalle, hein? Ouais, bon. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Je vais trouver un village à 1.14 et je vais essayer d'apprivoiser des chats dedans et de les reproduire pour voir, histoire de voir bah, ce qui coince, quoi. Donc je vous retrouve après. Donc je suis dans le village, tout simplement de la 1.14, celui où, qui est pas loin des pandas, non, des renards, pardon. Et j'ai bien été voir mes renards et en effet, les renards ont été reproduits, donc... C'est pas les renards qui posent problème. Il est pas censé venir me voir, le chat? Ah, il y a un rouquin là-bas. Il y a un siamois et un rouquin. Ils en ont rien à carrer de moi et mon poisson? Sérieux? Ah, bah c'est mon ami, ça y est. Allons voir le deuxième. Siamois, enfin siamois, non, c'est le petit rouquin. Ah, il y en a un blanc là-bas. Et il y a le rouquin qui arrive. Oh, bon, on va attendre le rouquin. Écoutez, vous savez quoi? J'ai bougé ma souris, j'aurais peut-être pas dû. Salut copain! Tu vas venir? Viens dès avec moi. Viens dès mon ami. Aie confiance, crois en moi.
Ah bah c'était ça, nice. Donc voilà, on a reproduit ces petits animaux-là, les amis. Donc faut savoir que les ocelots, du coup, après, ils se sont reproduits juste après que j'ai coupé le rec. Donc ce qui était complètement farfelu. Donc je vais essayer d'apprivoiser le blanc là-bas. Viens copain. J'ai l'impression d'appeler ma chienne, là. Tout va bien. Oh bah, un seul poisson et t'es reproduit, toi. Bah allez, viens. Viens dès avec moi. On va aller avec tes copains là-bas. Donc, ouais. Et je sais qu'il y a un achievement aussi, attendez. Ouais, voilà. Un chatalogue complet. Donc là, j'ai eu 3 variantes de chats. Donc il faudrait que j'arrive à tous les avoir. Ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, écoutez, on essayera. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour cet épisode, tout simplement, parce que, bah, on a fait l'achievement, on a fait de la construction, voilà, on a fait une petite usine des familles, je pense que c'est pas mal. L'épisode va durer peut-être une quinzaine de minutes, je dirais, à vue de nez, comme ça, avant d'avoir fait le montage, parce que je n'ai pas fait tout le montage. Voilà, je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave, l'épisode est fait, c'est le principal, donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cet épisode, en attendant... Portez-vous bien, je vous fais des bisous et à la prochaine, bye bye!